Et yo, c'est Flo de M2Proc, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, parce que c'est le plus important. Parce que pour aujourd'hui, j'ai prévu 8 défis. Alors sur 8 défis, vous allez voir, il y en a qui sont plus ou moins faciles. Si vous en réussissez déjà au moins 3, ça serait déjà exceptionnel. Du coup, sur les 8 défis, le premier ça sera du jonglage PQ. Le deuxième, bottle pompe. Le troisième, c'est un ballon freestyle. Le quatrième, c'est livre pompe. Cinquième, basket pompe. Le sixième, c'est le bottle challenge. Le septième, c'est le limbo. Le huitième, c'est la poubelle challenge. Bon défi. Pour le premier défi, c'est du jonglage avec papier toilette. Vous avez besoin d'un papier toilette et de vos jambes. Attention, ne cassez pas tout chez vous. C'est parti. On va réaliser 5 jongles pour réussir le défi. Et voilà, défi réussi, à vous. Pour le deuxième défi, bottle pompe. Pour cela, c'est très simple, vous avez juste besoin d'une bouteille d'eau remplie à moitié et d'un tapis. Donc pour cela, il va y avoir 3 niveaux. Le premier niveau et le suivant. On va se mettre sur les genoux, on va mettre la bouteille d'eau à l'horizontale, on place ses mains en position pompe. Et le but est très simple, c'est de venir faire 5 pompes sans que la bouteille tombe. La bouteille elle doit bien rester dans les omoplates. Mon menton vient toucher le sol. 2, 3, 4 et 5. Le défi du niveau 1 est réalisé. Maintenant, on va passer au niveau 2. Donc, le niveau 2, c'est comme le niveau 1, sauf que les genoux ne vont plus toucher le sol. Je remets ma bouteille dans le creux de mes omoplates, je place mes mains, je décolle les genoux du sol, je mets en position pompe. Et le torse va venir toucher le sol et je remonte. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Pose les genoux, je retourne la bouteille. Le défi est validé. Ok, et pour le niveau 3 maintenant, le défi ultime. Vraiment, c'est vraiment le défi le plus dur. On n'est que 2 dans le monde à avoir réussi. Moi et Harry Potter. Pour cela, c'est très simple, on va se mettre comme pour la même puissance que le niveau 2, on va prendre la bouteille. La bouteille, on va pas la mettre à l'horizontale dans le dos, on va le mettre à la verticale. C'est là où est la difficulté. Je me mets en position. Je vais mettre la bouteille à la verticale entre mes deux omoplates. Ok, là, elle a un équilibre. Je me mets en position. C'est super difficile. Hop là. Et là, je descends doucement. Je garde l'équilibre de la bouteille. Et 1, 2. La bouteille garde ton équilibre. Je suis vraiment extraordinaire. 3, 4. On peut accélérer. 5 et 6. Elle est où? Oui, on a pris. C'est bon? Ah c'est bon, mince, on a oublié de couper. Bah vite alors. Et pour le troisième défi, c'est le ballon freestyle. Vous avez besoin d'un ballon et de votre freestyle. Alors, c'est très simple, on va prendre le ballon, on va le lancer au-dessus de soi et il va falloir se baisser pour que le ballon arrive comme ça et qu'il bouge plus. Allez, on essaie, c'est parti. A few moments later. Et pour le quatrième défi, c'est du livre pompe. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un livre, donc plus ou moins épais. Plus la tranche ici, c'est épais, plus c'est facile. Et d'une balle de ping-pong ou de tennis. Moi, j'ai une balle de tennis, on va faire avec ça. Le but du jeu, c'est que la balle, elle doit toucher le dos du livre, la tranche, la face, la tranche, le dos. Et je récupère la main. Allez, c'est parti. Dos, tranche, face, tranche, dos. C'est récupéré. Défi réussi. À vous. Et pour le cinquième défi, basket pong. Pour ça, c'est très simple, on va avoir besoin juste d'une poubelle, comme ceci, et du papier qu'on va mettre en boule. Avec mon papier, le but est très simple, là je suis à 1m50 de la poubelle, c'est de mettre mon papier dans la poubelle. Allez, c'est parti. On va le faire sans rebond. Et voilà.
champion du monde. Défi réussi. Pour le sixième défi, Bottle Challenge. Donc ça c'est très simple. On va avoir besoin d'une table, d'une bouteille avec un fond d'eau et vos parents qui dorment pas. Je pense que ça fait du bruit. Donc on va venir prendre la bouteille droite comme ceci, par le bouchon. On va venir faire une rotation. La bouteille va faire une rotation, elle va devoir atterrir sur ses pieds. Démonstration. Il ou le papa. Et le défi est réussi. Alors c'est pas fini, il y a un autre petit défi sur le Bottle Challenge. Vous pouvez faire ça avec votre frère et soeur, avec vos parents. Vous pouvez faire ça à plusieurs. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'un adversaire. Donc je vais appeler Denis pour ce défi. Hey, salut. Hey, merci à toi Denis d'être là pour ce défi. Donc c'est très simple, on a un verre chacun. Attention. Le but du jeu, être le premier à faire tourner le verre. Le verre doit faire un tour et doit atterrir dans la même position. On a besoin que d'un doigt et d'un verre. Hop. Ok. Donc le verre, je vais le lancer. Hop, il doit faire le tour et atterrir sur la table. C'est parti pour le défi, t'es prêt Denis? Ouais. Tu te sens de taille à m'affronter? Ouais, tranquille. Facile. Allez. 1, 2, 3. Allez, on va y arriver. A few moments later. Et c'est bon. Dommage, j'étais prêt. Yes. La victoire. Bravo. Félicitations. Félicitations. Bravo à toi. Ok, pour le septième défi, défi limbo. Pour cela, on aura juste besoin de deux tables, ou deux chaises, ou deux personnes pour tenir tout simplement un bâton ou une corde. Donc on peut venir varier la hauteur. Plus c'est bas, plus c'est difficile. Pour varier la hauteur, on pourrait rajouter des bouquins pour faire monter le bâton ou la ficelle. Le but du jeu, c'est de passer dessous. Alors j'ai pas le droit de me baisser comme ceci. Je vais passer dessous en ayant les épaules qui vont passer en dernière. Donc hop, j'avance. Hop. Je passe dessus et je dois pas toucher le bâton. Et là c'est les épaules et ma tête qui passent en dernier. Du coup c'est le défi qui est validé. Si c'est trop facile, je vais venir descendre ma barre ou ma corde et je refais. Et on est parti pour... On est parti pour le huitième défi. C'est le poubelle challenge. Donc il y a beaucoup de vent, hein, vous pouvez le voir. Même moi j'ai du mal à tenir sur mes jambes. Allez, on va essayer de mettre le ballon dans la poubelle qui est à peu près à 6 mètres de distance. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. A few moments later. Là. Hein. Hey. Et oui. Défi réussi. Et sur ce, bon défi.